Coucou les Forzinotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'est retrouvés chez Grand Frais et voilà ce que j'ai trouvé. Une noix de coco vietnamienne pour pouvoir boire et goûter un peu comment c'est. Donc c'est parti, on va la couper ensemble. Couper de dessus pour essayer de planter la paille. Donc, et c'est parti. Oups. Ah, c'est trop chelou. Mais écoute, je crois que le couteau va céder. Le couteau va céder. Attention, il y a de la bulle. Oh, c'est bien blanc l'intérieur. Je ne peux pas y aller. Oh, il faut avoir les forces de Hulk. On va essayer de faire un petit trou pour passer la paille. Et on va voir si le goût est parfait ou pas parfait. Ouh. Ça y est, bah vous avez vu, ça gicle. Hein. Elle est remplie à ras-bord. À ras-bord, les gars, je sais pas si tu vois. Non. Regarde, si je fais couler de l'autre côté. À ras-bord. Et là, ils nous ont fourni la petite paille. C'est parti. La petite paille en bois, bien sûr. Écologie oblige. Ah, tout juste la paille, hein. T'as intérêt d'aller plus loin. Allez, c'est parti. Mais c'est trop bon. Trop, trop bon. C'est pas sucré, c'est pas salé, c'est noix de coco quoi, mais c'est génial. Et là t'en as plein et tu vois que c'est vraiment de l'eau de noix de coco, pas du lait. Et par rapport aux noix de coco qu'on trouve habituellement, bah là t'as le plaisir et tu peux boire, il n'y a pas de problème. Donc franchement, je vous conseille d'aller tenter, va chez Grand Frais, 2,99€, je trouve que ça va. Et au moins, ça fait un test. Voilà. Donc, allez, je vous fais tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.